Une tonne de riz pour la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA, et une tonne et demie de riz pour la prison civile de Grand Bassam. Des vivres qui vont combler le déficit alimentaire auquel sont confrontés les pensionnaires de ces lieux de détention. Le don de l'ONG au cœur des prisons est un réel soulagement pour ces deux prisons. Nous sommes avec des démunis qui ont besoin des aides à tout moment pour pouvoir survivre. Quand cela arrive à ce moment-là, vraiment, ça ne fait que nous réconforter. Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes, aux problèmes d'alimentation surtout, étant donné que l'État tarde à mettre en place le budget pour pouvoir alimenter nos pensionnaires. Donc ce don ne fera que combler le vide. L'ONG au cœur des prisons milite en faveur du bien-être de la population carcérale. Marc Kwaku, à la tête de l'organisation, connaît bien la prison pour y avoir séjourné pendant un mois. Nous voulons, au travers de ce don, nous souvenir de nos bien-aimés, frères et sœurs qui sont dans des difficultés, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin tant soit peu qu'ils sachent qu'ils ont des personnes qui pensent à eux. Depuis sa création en 2009, l'ONG au cœur des prisons a réalisé de nombreuses actions pour les prisonniers, allant de l'assistance juridique à la sensibilisation contre le VIH-SIDA.